Dans un décor planté au milieu de la Louisiane, on en a fait la maison la plus hantée d'Amérique. Les hantises se produisent à répétition, dans le même lieu et sur une période de plusieurs années, souvent des décennies, parfois des siècles. Il n'y avait personne autour de moi, mais quelqu'un m'a vraiment touché. Pourquoi j'ai fait pause là? Merde! Et ce n'était pas si désagréable. De 1800... What? Ah merde, on n'avait pas la fin de la phrase en fait. Ouais ben... Écoutez, même si vous êtes décédé, monsieur, moi ça me dérange pas. Moi, je suis veuve depuis très longtemps. Dans le paranormal, l'univers des fonds. Je voulais colère de son visage, CTMP. Pardon. Tourne s'articule autour de la nature. Pic plus! Pic plus! Vous ne dormirez plus! Pardon. Dans les cas où les individus sont au centre de ces phénomènes, on parle de fantômes, de spectres ou de poltergeist. Le fameux Paul, hein. Moi, je suis Paul, près de nom de famille poltergeist. Quand ce sont les lieux qui semblent être la source de ces épisodes surnaturels, on parle de hantise. Et une hantise peut marquer plusieurs générations. Il est joli le mot hantise, je trouve. Ou alors ça fait hantise, hein. Ouais, ce soir, hantise, hein. Lundi, on travaille. Mardi, on travaille. Vendredi, on travaille. Samedi, on boit le vin. Hantise. Hantise. On boit le... Oh là là. Rarement pour le mieux. Oula, oula, oula. En temps normal... Saint-Francisville, Louisiane, 26 janvier 1871. N'enseigne pas de Chopin à ses élèves. Mais le jeune McCarthy est si doué. Soudain, la mélodie est dérangée par un bruit de sabots martelant la terre. Une voix retentit à l'extérieur. Hey Georges, du courrier. Putain, j'ai envie de faire de la blague, mais elle est problématique. Pour ceux qui ont vu le grand détournement. Hey, salut les deux. J'ai du courrier pour vous. Oh, c'est pas cool. William. Absolument. Winter, êtes-vous là? J'ai un important message pour vous. Détournant son regard de l'élève, Winter marche jusqu'à la porte. Et ici, il n'y a pas deux. Il y en a un, il y en a deux, et il s'appelle George. Porte et sort sur le balcon. Le mystérieux cavalier est là. Ouais, mais tu crois que je suis sur un fond vert? Et non, je suis sur un cheval. Non, je suis pas sur le dos d'un technicien avec une combinaison verte qui moule son sexe. Non, non. Voilà pour vous. Sur ces paroles, l'homme dégaine un revolver et décharge son arme en direction de Winter. Oh putain, ce FMV! Mais j'ai envie de rajouter une interface comme ça avec des douilles et tout, des... Reload! Reload! Hey, come on, cowboy! S'il avait pu deviner son funèbre... Il est parti avec le bug, c'était très joli. On dirait qu'il s'est téléporté. L'homme dégaine un revolver et décharge son arme en direction de Winter. Ah, ce FMV! S'il avait pu deviner son funeste... Ah, c'est con, c'est très bien. Désolé, je fais beaucoup de pauses, mais il y a tellement de trucs, là. Take this, you son of a bitch! William Winter aurait sans doute enseigné à ses élèves le Requiem de Mozart plutôt que les Nocturnes de Chopin. Oh, ça, c'est bien écrit, cette voix-off, là. Bradford ne se formalise pas trop de ce détail. Il fait construire une maison modeste de 8 chambres qu'il baptise Laurel Grove. 8 chambres, c'est modeste, hein, tranquille, un petit terrain, hein. Clark Woodruff et Sarah Matilda s'épouseront et auront 3 enfants, mais on le considérait comme un séducteur. Et d'après ce qu'on dit, il aimait avoir plusieurs maîtresses. L'une d'elles était une esclave nommée Chloé. Oula. Chloé était supposément une jeune esclave qui vivait sur la plantation. Attention, attention. Il faisait continuellement des avances sexuelles à Chloé, avances auxquelles elle hésitait à répondre. Mais elle avait peur, car elle craignait qu'il ne la menace de retourner travailler dans les champs. Waouh, waouh, je vais te glisser un petit billet dans le slip, là. Joli striptease. Tourner, elle voulait rester dans la maison. Alors, elle a cédé, éventuellement, il s'est lassé d'elle et s'est détourné d'elle. Oh bon. Elle s'est mise à avoir peur et à craindre qu'il ne la retourne au champ. Alors, elle s'est mise à espionner les conversations de Woodruff. On Woodruff's conversations. Ainsi, à chaque fois qu'il s'enfermait dans une chambre...
Ah, il va pécho toutes les meufs de la plantation, Chloé, ok. Chloé le suivait de près et collait son oreille à la porte afin de savoir de quoi il parlait. Finalement, un jour, elle s'est fait surprendre. Et il s'est emporté contre elle. Il était tellement furieux qu'il lui a coupé l'oreille. Après cela, Chloé portait un turban vert afin de cacher son oreille coupée. Ah ouais, c'est glauque. C'est bien que vous le montriez pas, ça. Ça, c'est cool. Ensuite, ce fut au tour de Chloé de se mettre en colère et d'entreprendre de se venger. Elle lui a fait manger son oreille. Oh, elle est comme dans Brain Dead. Ça serait rigolo, ça. Un beau jour, elle a pris la décision qu'elle allait, d'une certaine manière, empoisonner les enfants. Ok. Ah ouais, grosse ambiance. Ça aurait peut-être les rendre malades de sorte qu'on la rappellerait à l'intérieur de la maison. Elle comptait s'occuper des enfants et les ramener à la santé, de sorte que tout le monde allait l'apprécier et qu'on allait la ramener vivre à l'intérieur de la maison. Mais son plan allait prendre une tournure tragique. Ah ouais, c'est pas un plan super... Mais en fait, je vais les empoisonner, et après je vais arriver avec un doliprane, laissez-moi faire. Ce qu'elle a fait ensuite a été de se rendre au jardin pour recueillir des feuilles de laurier rose. Ces feuilles d'oléandre constituent un poison très très puissant, autant que l'arsenic. Comme c'était la fête d'un des enfants Woodruff, Chloé a cueilli ses feuilles d'oléandre. Ah, c'est... oui, elle va cuisiner le pudding à l'arsenic. Je vais en mettre deux. Les a intégrés au mélange à gâteau et l'a fait cuire. Sa seule intention était de rendre malades les enfants de Sarah Matilda et de Clark Woodruff. Leur donner la méga chiasse. Ce qui s'est passé par la suite a été bien différent. Les enfants ont bel et bien été malades. Et Chloé est restée à leur chevet pour les soigner. Mais elle n'a pas réalisé le mal qu'elle leur avait fait. Leur état allait empirer de minute en minute, si bien que la nuit venue, les enfants étaient morts, de même que Sarah Matilda. Mais Woodruff n'est pas mort, car contrairement au reste de la famille, il n'avait pas mangé de gâteau. Après cela, Chloé est devenue très craintive, parce qu'elle craignait que Woodruff ne cherche à se venger sur elle. Elle était inquiète, et les autres esclaves l'étaient également. Ils craignaient pour leur propre sécurité. Alors ils ont pris Chloé, l'ont tirée hors de la maison et l'ont entraînée aux limites du domaine, où ils l'ont pendue à un arbre qui bordait la plantation. Ok, d'accord. Ah, on voulait lui parler, lui poser 2-3 questions. Bah, finalement, on a oublié ce qu'on devait lui demander. Donc, enfant mort, esclave mort. On raconte que son fantôme entrait la plantation Myrtles. Mais du coup, elle est morte. Du coup, elle est un fantôme avec les enfants fantômes. On raconte aussi que le fantôme de ses victimes, Sarah Matilda Woodruff et ses enfants, aurait été vu sur le porche avant de la maison. Ah putain. Ils lui ont pardonné? Moi, c'est ça que je veux savoir, en fait. Encore une fois, il y a beaucoup de désaccords avec cette version. Parce qu'il y a des rumeurs qui prétendent que Chloé n'a jamais existé. Elle n'était pas nécessairement une esclave de la plantation et aucun document ne confirme l'existence de Chloé. C'est là l'un des désaccords majeurs. Mais c'était un gâteau à quoi? Moi, je veux savoir, le gâteau était à quoi? Pearling meurt d'une fièvre foudroyante en 1854. Son gendre... Walter! Tu veux une part de gâteau? William Winter est abattu par un cavalier sur le porche de la maison en 1872. Toutefois, d'après une légende... C'est un super jeu vidéo. Franchement, entre Gabriel Knight 2 et celui-là, mon cœur balance. William Winter ne se serait pas écroulé sur le porche. Il aurait été en mesure de tituber jusqu'à l'intérieur, perdant abondamment son sang, en faisant ses derniers pas de manière dramatique. Il aurait gravi les 17 marches de l'escalier pour aller se réfugier dans les bras de son épouse, Sarah Mulford. Et c'est là qu'il serait mort. Ah, faut que j'aille traumatiser ma femme. Allez vite! Quelques marches, un petit effort. La plantation Myrtles devient vite un incontournable sur le circuit des lieux hantés. Parfois, les gens réservent, mais quittent au milieu de la nuit parce qu'ils ont entendu des bruits, des pas dans l'escalier, des fenêtres. Comment elle s'appelle, elle, hein? Simplement une présence. Bon, Rebecca, remets-toi au travail, là. Tu fous rien. Vanessa. Faire de belles images des champs. La société est en train de couler en bourse, là. Et nous nous sommes retrouvés à filmer quelques scènes bizarres. Capturing some weird footage ourselves. J'ai fait le montage vidéo et je n'ai fait aucune... Vous l'avez vu, le truc volé, ou pas? Modification. Pas de correction de couleur, ni d'augmentation de contraste. Nous l'avons simplement ralenti.
Ah putain, elle fait du montage avec un trackpad. Oh, j'ai envie de mourir. Désolé, déformation professionnelle. Afin de pouvoir... Regardez ça. Ça, c'est moi et un fantôme. Attends, mais non, mais c'est un paix cosmique, attends. Pour voir cette image. Et vous pouvez la voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez, bien sûr. Faire son chemin depuis la porte derrière moi. C'est devenu un prout, quoi. Ou alors une petite âme dans Dragon Ball, quoi. C'est vraiment... C'est pas possible. Attends. Si, si, regardez, il est là. Ouais, il est en train de s'envoler. Oh là là, regardez à quel point c'est paranormal. Descendre un peu hors cadre, puis recommencer à monter devant moi. La flèche. Jusqu'au-dessus de mon épaule. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, mais c'est la flèche à tout montrer. Non, mais non, mais non, mais... Vanessa, tu as encore tes histoires de paix encore? Oh, Vanessa, on s'en branle de tes histoires de paix. Moi, j'y vois le profil d'une femme. On reconnaît son nez, ses lèvres, ses joues, son front. Bien sûr. Vous l'avez vu aussi. Est-ce que je sors Photoshop ou pas? Attends. Mais il n'y a pas un visage, là. C'est pas possible. Non. Ou alors, si, putain, si le P a pris vie, c'est... Je vais l'appeler Norbert. Sur une seule des images, lorsqu'on met l'appareil à pause... Vanessa, ta gueule! Par la suite, l'image remonte et devient... On raconte que le grand miroir installé dans le vestibule renfermerait les esprits d'enfants morts en ces lieux. Yes! Vous voulez passer une bonne nuit? Bon, il est pas cher après, c'est un Airbnb pas trop cher. Les têtes. Bonsoir monsieur. Non, non, allez-y, déshabillez-vous. Non, non, on fait partie de... C'est compris. C'est comme le petit-déj, vous avez des fantômes... Oui, oui. Oui, toute la nuit, on va vous regarder. Tout... Si, 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 si. On peut chuchoter. Soit vous avez la formule, soit on fait une comptine. C'est ce que préfèrent les gens en général, une petite comptine. La, 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 la. Bon, on fredonne. Soit on dit rien, soit on des respirations. Des petits bruits. Voilà, c'est comme vous voulez. Supposément, on retrouve des empreintes de mains sur le miroir. Des empreintes de mains de fantômes, des petites qui semblent être des empreintes d'enfants et les plus grandes qui seraient celles d'adultes, juste au-dessus de celles des enfants. Plusieurs gens croient que ce serait celles des enfants décédés dans la maison et ces empreintes semblent se former à l'intérieur de la vitre du miroir. Ils ont nettoyé le miroir à de très nombreuses reprises. Ils ont même remplacé le miroir, mais rien ne fait disparaître ces empreintes. Ah, c'est peut-être du gras. Je sais pas, vous avez essayé du vinaigre blanc Les hantises de la plantation. Mais non, c'est pas parce que c'est une plantation. Arrêtez, ne me faites pas dire des trucs racistes. Cette maison est vraiment la plus hantée d'Amérique. C'est la plus de toutes les maisons hantées. Contredisent peut-être les... Il y a tellement de fantômes, on peut plus circuler. C'est... C'est obligé de les essayer. Regarde-moi ça, voilà. Voilà, le soir, tu vas aller te boire un petit jus d'orange dans le frigo. Ah, il faut esquiver les gosses et les machins et les trucs. La plantation Myrtles. Mais cela, apparemment, les fantômes l'ignorent. Ils communiquent pas entre eux. On peut faire un syndicat de fantômes ou un truc comme ça, quand même. On constate des bruits inexpliqués, des lueurs mystérieuses ou encore des apparitions de fantômes ressemblant généralement à d'anciens locataires de la maison. Oui, voilà, là on les voit bien. Donc ce que l'autre elle nous a montré son P en 3D là. Mais il arrive occasionnellement que ces visiteurs indésirables n'appartiennent pas à la maison. Ils y ont immigré, attaché un objet ou caché au fond d'une vieille valise, comme dans le cas de la May Swinger House sur les côtes de la Floride. Mais qu'est-ce que c'est que cette décoration? Au gré de la visite, les touristes se retrouvent dans une chambre du deuxième étage. C'est une chambre d'enfant. La guide, qui ce jour-là est accompagnée... Mais qu'est-ce que c'est que cette piole? Mais qu'est-ce que... Voilà, donc je mets des poupées comme ça terrifiantes partout. Comme ça, ma gosse se chie dessus. Et elle finit ses légumes. Explique qu'il s'agit de la chambre de la petite Jessie May Saxon. Mais c'est quoi cette horreur? Mais ça va pas, hein? Une enfant décédée en ces lieux en 1872, à l'âge de 3 ans. Putain, mais il y a Annabelle en plus, parce que... C'est Annabelle, la véritable poupée, c'est celle-là, là. Putain, mais fais dormir sa gosse dans une chambre, tu sais, ma petite. Dans cette pièce, il y a un enfant qui est mort. Alors, d'accord, tu vas être sage. Tu vas dormir ce soir, hein. Il y a des mannequins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, vous le voyez pas. Vous allez le voir. Voyez.
Là, regardez à droite, hein. À gauche. Il y a des mannequins. Je préfère dormir dans la cave que là, quoi. Elles sont incrustées, hein. Mais qu'est-ce que c'est cet enfer? C'est quoi ces enfants qui ont le sida, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces poupées étaient très populaires. C'est quoi, mais... À la fin du 19e siècle. Poupée sida. Et ressemble sans doute à celle que possédait la petite Jessie May Saxon. elles sont mortes, par contre. C'est ça, le twist. Depuis le début, c'est elles qui sont... c'est les fantômes. Tout en poursuivant ses explications sur l'univers des jouets antiques, sa fille, qui se tient debout à ses côtés, tire sur les vêtements de sa mère pour attirer son attention. Maman. Et l'autre qui arrive derrière, ouh. C'est mon moment, it's time. Répète-t-elle. Attends un peu, mon ange, maman est occupée. Tu ne dois pas prendre la poupée. Ton maman est occupée à montrer à quel point elle est chelou aux gens. Fais comme tu l'as fait. Ah non? Et pourquoi? Demande Bonnie, l'air intriguée. Parce que la petite fille n'aime pas ça. Mais qui est le plus chelou? La gamine, le fantôme ou la daronne? Après avoir emménagé, Marina donnera naissance à un deuxième enfant, une autre petite fille. Mais le bonheur d'aimer est de courte durée. À l'âge de 25 ans, elle s'est acheté un fond vert. John May décède dans cette maison. Il avait ce qu'on nommait à l'époque une consomption. Une consomption? C'est quoi une consomption? Alors nous avons cette jeune femme, dans la très jeune vingtaine, mère de deux enfants et propriétaire d'une plantation qu'elle doit administrer. Elle le fera, et elle le fera très bien. Ensuite, en 1865, à la fin de la guerre... On dirait un sketch de Saturday Night Live. Marina sera de nouveau enceinte, et cette fois, elle accouchera d'une petite fille qu'ils nommeront Jessie May Saxon. Et qui décédera aussi la semaine d'après. Sale mois. Hein. 3 semaines après la naissance de Jessie, Marina décède à son tour. Putain, mais... Non, arrêtez. Vous voyez bien qu'il y a, un signal de la nature qui vous dit que non, c'est pas pour vous. Prenez un chien. Franchement, allez dans... Ouais, allez à la SPA. Jessie vivra ici. Mais c'est quoi ce cauchemar? Pourquoi? C'est quoi? C'est des robes de mariée? Elle est exposée dans le parloir de la maison familiale, puis enterrée dans une tombe anonyme, près de sa mère, devant la résidence. Oui, voilà, enterrer les corps devant, oui, c'est bien ça. Ça, c'est super. Prenez pas de chien, alors, parce que si ouais, il ramène la tête du bébé mort... Oh là. Pourquoi j'ai des pires images en tête que ce qu'on nous montre? Après le décès de Jessie... Allez, qui est mort encore? Allez, ça suffit, on n'a pas le temps d'appeler le journal. Allô, oui? C'est le Floridien enchaîné? Je sais pas comment dire. Oui, ah ben oui, c'est ça, il est mort aussi. Oui, ah ben oui, et combien? Deux semaines, j'ai perdu mon pari. Tant pis, on va rester, hein. Allez, à la semaine prochaine. Non, je déconne. Bisous. Pendant de longues années, cette résidence qui naguère était l'un des fleurons de Brooksville devient un refuge pour les itinérants, les toxicomanes, et autres marginaux. Le comté... Ok, ça devient un squat, ok. La Miss Stringhouse a retrouvé son cachet d'antan. Elle apparaît comme elle était au temps du brave Dr. Stringer. Les pièces accueillent à présent une collection de quelques 150 000 artefacts liés à l'histoire des États-Unis et plus... Mais ouais, mais j'attendais le moment où ils disent apparemment les drogués auraient vu des fantômes. Si, je l'ai vu, et puis là, il y a un éléphant qui l'a sodomisé. Les toxicos, là, dégagez. À en croire des médiums, les principaux fantômes seraient ceux de Jessie May Saxon et de ses parents, Frank et Marina, ainsi que celui du Dr. Stringer. Quoi? Laissez-moi te bosser tranquille, hein. Je suis en train de regarder les dossiers de mes clients, mes patients. On dit que la petite Jessie May se serait rendue coupable d'une querelle de manifestation espiègle. Jessie May était la fille de Frank et de Marina, et elle est le seul fantôme reconnu par la... Mais c'est vrai qu'il y a des drogués qui sont morts. Fantôme d'un mec à plein ventre par terre qui fait « Ouais, je crois que je suis en train de voler !» a été aménagée en chambre d'enfant. On y retrouve un berceau antique où dorment deux poupées de porcelaine. Celles-ci seraient les jouets... Voilà, ça c'est beau ça. Ça vend du rêve. On fait ça, on prend la photo, on la met dans la brochure. Favori de la petite Jessie May.
un après-midi. Mais ce visage là, qui veut jouer avec ça? Bébé est mort. Un jouet lancé. Lancé par la fenêtre. Je menais une visite guidée, nous étions dans la chambre et je racontais l'histoire des poupées de porcelaine. Et comme à chaque fois que je raconte l'histoire des poupées de porcelaine, je prends une des poupées qui date d'avant la guerre de sécession, une très très vieille poupée. Et je fais une voix de démon. Et je parlais de la poupée, je racontais comment la poupée est hantée. Oh là là, mais jamais tu garderas mes gosses, toi. C'est l'une des seules histoires de fantômes que nous ayons le droit de raconter durant les visites de jour. Et comme chaque fois que je raconte cette histoire, je caresse la joue de la poupée. Ce jour-là, ma fille m'a interrompu en me disant... Maman, t'es chelou. Arrête de faire ça. Maman, il y a une petite fille debout à côté de toi et elle dit qu'elle déteste quand tu touches son bébé. Et elle veut que tu saches que ce n'est pas une poupée, c'est son bébé. Mais je crois qu'elle parlait d'elle-même, la gamine. Elle fait, oui, une gamine à côté de toi qui aimerait avoir une vraie relation avec sa mère. Un autre des fantômes de la Mystery House est James, un vétéran de la guerre 14-18. James. Lui, il faut pas toucher ses flingues. Hein. Allez, dès que vous touchez ses flingues... Et ses poupées aussi, il avait aussi des poupées. Il n'y avait personne d'autre avec nous. Et soudainement, la femme a sursauté. Je lui ai demandé. Olive ! Il fait des olives depuis l'autre monde. Comment c'est possible ? Ça va, madame ? Et elle m'a répondu, quelqu'un m'a pincé les fesses. Quelqu'un m'a fait une olive. Là-dessus, elle a ajouté, il n'y avait personne autour, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a pincé les fesses. Et elle a ajouté, mais ce n'était pas si mal. Ouais, mais... Après, peut-être que... Vous êtes chelou en Floride, hein? Mais est-ce que vous pouvez demander au fantôme qui recommence? C'était plutôt cool. J'ai apprécié la pincade. Mais tous les fantômes ne sont pas aussi inoffensifs. Oh putain, il y a Patrick Simsit en fantôme. Monsieur détestable est vraiment détestable. ok, putain... Ouais, vous auriez pu faire un petit effort d'imagination. Alors, le mec qui pince des culs, il est pas détestable. Alors, j'imagine ce qu'il fait, lui. Il n'est pas un homme agréable. Il avait mauvais caractère de son vivant. Et d'après ce que nous savons, c'était un acteur qui possédait un coffre en bois de... C'est Patrick Timsit! Moi, j'arrive pas à le faire. J'étais donc dans l'entrepôt des accessoires militaires en train de chercher des accessoires lorsque quelqu'un m'a giflé en plein visage. c'est peut-être Monsieur le Pendu. Ah, ils ont mis l'effet sonore. C'est même pas moi. Regardez, je touche pas à rien. De manière à créer une ambiance apeurante. J'étais donc dans l'entrepôt des accessoires militaires en train de chercher des accessoires lorsque quelqu'un m'a giflé en plein visage. Mr. Nasty does also. Alors, waouh, il m'a giflé. Alors, c'était pas avec les mains. C'est pas Monsieur Détestable, c'était moi depuis le début. C'est Laurence Olivier, le roi de l'olive. And there was playing music, but... Ça jouait de la musique, mais sitôt que ça s'est mis à tourner, nous avons entendu comme un affreux grognement. Un grognement qui provenait... du voisinage du Victrola. It wasn't from the machine itself. Ça ne provenait pas de la machine elle-même, mais c'était à proximité. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai découvert le death metal. Contrairement à beaucoup de lieux publics hantés, où les propriétaires préfèrent demeurer discrets à propos de ces manifestations d'outre-tombe, les responsables de la Mystery House, eux, au contraire, en parlent sans détour. Ah oui, c'est marqué Haunted House Tour. Ah, ok. Ah d'accord, il y a des trucs... Bah Halloween, évidemment. Évidemment qu'il y a Halloween, Haunted House, bien sûr, October, Brooksville. Il y a même Noël. Oh, on peut faire un Noël hanté avec le fantôme qui te met des olives. Et si je devais passer l'éternité ailleurs qu'au paradis, je crois que la maison Mistringer serait un excellent choix. Allez, bah dépose ton CV, hein, on sait jamais. Des lieux, des objets, sont-ils stigmatisés par les événements du passé? D'où viennent ces apparitions? Dans la plupart des cas, les témoins ont l'impression d'assister à des événements du passé, comme si les fantômes étaient les acteurs d'une pièce sur laquelle le rideau est tombé depuis longtemps. Dans certains cas, cependant, les témoins ont l'impression qu'il y a un sens caché derrière les manifestations, comme si, de l'au-delà, le ou les défunts cherchaient à terminer une tâche inachevée ou à attirer l'attention sur un détail précis. Oui, ils pincent des culs. Il y a peut-être un message derrière. Peut-être ils essayent de nous témoigner quelque chose d'important qu'ils devaient finir, accomplir avant de mourir. Je devais pincer un maximum de culs.
avant de crever. Comme tous les vendredis, ces soirées de meurtres et mystères à la Dean House. Ah voilà, c'est les maisons où ils font des meurtres et mystères. Allez, meurtres et mystères en famille. Un dîner de cours en fait, c'est ça. Toutes les pièces leur sont accessibles, sauf le sous-sol. Un antre réservé qu'aux organisateurs. Ah ouais, c'est le rougidaire, effectivement. Alors que la soirée est déjà avancée, c'est pas un Mickey Mouse. Et depuis les interdictions du personnel, l'une des participantes se glisse dans la cave. Après, c'est rigolo de faire des vraies IRL comme ça, des murder parties dans des endroits hantés. Elle espère trouver un indice dans le vieux coffre au pied de l'escalier. Elle réalise bientôt qu'elle n'est pas seule dans la pièce. C'est ici le 34 avenue Jean Renoir. On doit faire un petit striptease pour Françoise pour son enterrement de vie de garçon. De jeune fille. Pardon, je suis fatigué. C'est vous ? Allez, c'est parti. Allez, allez, coquine ! Allez ! Ah, tu vas m'enlever mes plumes ? Allez, on n'a pas peur de bison futé. Allez ! Comment c'est pas elle ? Comment ça ? Ah, je suis mort ! Je suis un fantôme ! Pardon, je suis mis un cheval. Pardon. Un Amérindien portant une longue coiffe de plumes la dévisage. Hugues, salut, Hugues. Tu vas manger des chips en enfer. Des chips. You are on a sacred land. Dans un endroit... J'étais sûr. You are on a sacred... Tu es sur un cimetière indien. Oui, comme dans le film. Oui, ça va, merde. Il lui dit qu'elle ne devrait pas se trouver là. C'est bon, j'ai l'indice. La femme remonte en informer un membre du personnel, mais au sous-sol. Il a des cartes dans la main, qu'est-ce que c'est ? Chaque année, des millions d'Indiens sont enfermés dans les caves. Pour éviter que le massacre continue, donnez. La mère indienne est plus là. La mère indienne, ah, d'accord. Oh ! Oula hoop. Oula hoop, barbe-truc, voilà. Chaque année, des millions d'Indiens sont enfermés dans les caves. Ils disparaissent par magie. Rien d'étonnant. La Dean House est l'une des maisons les plus hantées au Canada. Ah, mais alors voilà, ce soir, c'est toutes les plus hantées. Le plus de hantées, c'est nous. Non, c'est nous. Ah bon ? Eh ben, nous, on est une petite fille. Ah ouais, ben, nous, on a Joe l'Indien. Ah bon ? La maison Dean a été construite en 1906 pour Richard Burton Dean, le surintendant du Nord-Ouest de la police montée royale canadienne. Attends, il a des problèmes de vue, je vais pas me moquer s'il y a des problèmes de vue par contre. Oui, j'ai commencé à me couper les cheveux moi-même depuis l'âge de 5 ans, pourquoi ? J'ai pas envie de me moquer, j'ai peur qu'il est aveugle ou qu'il soit malvoyant. Ou alors sous, il a l'air sous aussi, je sais pas. Oui, un peu Sam Ganja, parce qu'il a l'air un peu défoncé. Monsieur Frodon, je peux le fumer pour vous ! Un homme aurait été dépoussé dans l'escalier par une force invisible. Il serait mort sur le coup. Chut ! Putain ! C'est l'histoire de cette femme qui s'est suicidée en sautant par la fenêtre du deuxième étage. Voilà, allez, on repart dans le fun. Pardon, du troisième étage. Ah pardon, excusez-moi. Troisième. Non, parce que le crâne était éclaté avec du sang partout, donc... Également l'histoire d'un jeune garçon qui s'est pendu dans le grenier de la maison. Et je vous ai raconté l'histoire de la pute que ça lui gratte le cul, donc qu'est-ce que... Et celle, entre autres, d'un homme tué par balle sur la galerie. Que des belles histoires de famille qu'on se raconte autour d'un bon feu de cheminée à Noël. Ce que nous avons découvert, c'est qu'aucun n'avait de fondement réel. Sauf un. Et ce cas était celui d'un meurtre suivi d'un suicide en 1971. Une femme vivant une relation conjugale abusive s'était trouvée une chambre ici avec ses deux enfants. Son mari l'a retrouvée. Je t'avais dit de plus fumer au lit ! Et l'a tuée. Avant de s'enlever la vie. Ce sont les enfants qui ont retrouvé les deux cadavres le lendemain matin. Ah ouais, c'est super efficace. Hein. C'est même pas bonsoir chérie ou espèce de tu vas crever. Non, allez, bing bam boum. C'est une histoire franchement horrible. Mais c'est la seule qui soit vérifiable en ce qui a trait précisément à cette maison. En 1973, la ville de Calgary achète la Dean House.
terre fumée pour l'ajouter à son patrimoine. Après avoir été une maison de chambre, elle a été rachetée dans les années 1970 par un organisme de la ville de Calgary, le Dandelion Gallery, qui en a fait une sorte de résidence pour artistes. Oh, c'est encore pire. C'est à ce moment-là où la maison est devenue vraiment cauchemardesque. Des employés rapportent même avoir observé le spectre d'un homme confortablement assis, fumant la pipe. Salut. Ce même personnage est aussi aperçu dans l'escalier menant aux étages. Parfois, ce n'est que l'odeur de sa pipe qui envahit les lieux. Dans le passé, il y a eu des interactions avec le personnel qui travaille ici, dans le restaurant. Ah, du coup, il empeste avec sa pipe, même dans l'au-delà ? Comment c'est possible ? En avril 1990, un prêtre y tient une séance d'exorcisme. Pendant un temps, les phénomènes s'estompent. La même année, une télévision locale, CFCN, invite une médium à la Dinner House. Celle-ci affirme ressentir au moins deux esprits. Oh ! Oh ! Attends, par où il est passé, madame ? Parce que c'est... Elle ajoute que les différents... Ça semble... Maxi Olive, Maxi Olive. Ah ouais, putain, la turbo olive qu'elle s'est pris, elle. Bah, pour la pipe, je sais pas, mais pour l'olive, hein, fou. Celle-ci affirme ressentir... Elle ajoute que l'édifice se dresserait aujourd'hui sur un ancien cimetière autochtone. Lui, il a fond, le cow-boy à côté, là. Yeah. Oh, ça faisait longtemps. Oh. Les talents dont il est question, je préfère utiliser le mot sensible plutôt que médium. Ils sont plus sensibles à l'énergie, peu importe le genre d'énergie à laquelle on a affaire. Oui, ensuite je vais voler les œufs fécondés de dinosaures, les mettre dans une bombe de mousse à raser. Et certainement, nous avons eu à plus d'une occasion des moments où ce genre de choses s'est produit. Après coup, nous avons été en mesure de documenter ce qu'il décrivait et de constater qu'il y avait une portion de vérité, quelque chose d'authentiquement vrai dans ce qu'il nous racontait. Je ne crois pas appartenir à la catégorie des sensibles, je crois que nous sommes tous sensibles jusqu'à un certain point, mais certains sont davantage en phase que d'autres. Je crois que c'est quelque chose qui dépasse n'importe quel genre de talent ou de don. Je reconnais que si nous alignons 10 médiums, nous aurons peut-être 10 réponses. Il est dans le Denis. Joli. Mais je ne peux que m'étonner de la précision dont certains ont fait preuve lors de certains événements dont nous avons été témoins. Quoi ? Ouais, pareil, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais l'avant de tout, c'est d'avoir quand même ramené les 3 points ce soir et d'être maintenu au championnat. C'est durant cette période qu'une participante à une soirée de meurtre et mystère... Ah, voilà, revenons là, à Françoise et sa bachelor party, là. Au sous-sol, un Amérindien... Il est revenu. Jérôme Mouet. Chaque vendredi soir, nous organisons dans la maison une soirée meurtre et mystère. Et... Ah, c'est vrai que, ouais, putain, ils ont recoupé. Ah ouais, ils ont fait toutes ces digressions pour dire « Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des soirées meurtre et mystère. » Bien sûr. Nous tirons avantage de ces histoires de fantômes. Bien sûr. On va se gâcher, Françoise. Le restaurant était dégueulasse, Françoise. Un soir, durant un de ces meurtres et mystères, une femme a raconté être descendue au sous-sol et avoir aperçu un Amérindien qui lui aurait dit qu'elle était en terre sacrée, qu'elle n'avait pas d'affaires là et qu'elle devait partir. Alors elle est remontée et a raconté ça aux membres du personnel qui sont descendus et n'ont rien trouvé. Non, mais laissez tomber, c'est Joe. On l'appelle Joe l'Indien, des fois il est bourré, il fait ça, il fait peur aux clients comme ça pour rigoler. Mais tu fais pas gaffe, hein. C'est sa post-clope, il se déguise. Au début des années 2000, un groupe d'enquêteurs de Calgary, le Centre d'études avancées sur le paranormal, ou simplement CAPI, décide d'enquêter sur la maison Dean. Question de séparer le mythe de la réalité. Il est pas accueillant ce resto, je suis désolé, j'ai pas envie de bouffer hein, avec ces murs verts là. Oh, c'est triste, là, cette table au milieu là. Pouah. Ils ont enquêté sur cette maison, ont fait différentes expériences et ont conclu que oui, cette maison est bel et bien hantée. Qui a dit oui ? Effectivement, c'est bel et bien hanté. Très hanté, comme ils l'ont formulé. Très ! Pour utiliser un terme scientifique. Mon ami était derrière moi, et il me suivait. Et là, paf, Joe l'Indien ! À 30 secondes peut-être. Indiana Jones Wish ! Il est entré dans la chambre où nous sommes maintenant, simplement pour voir ce qu'il y avait.
De mon côté, je me suis dirigé vers la chambre de droite. Hello, hello, my good sir. Can I offer you a drink? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai aperçu une femme debout. La femme était vêtue. Ah, je crois que c'était un mec avec une perruque merde. Dame bleue et elle avait presque l'air timide. Oh. La dame bleue, ah putain, dur à choper, hein. C'est un shiny celui-là. Les membres enquêteurs ont noté quelques anomalies magnétiques et électriques. Quelques-uns d'entre eux ont également eu la sensation subjective d'être épiés ou de ne pas être seuls. Mais rien de très convaincant. Ce que j'allais dire, c'est une preuve scientifique. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ok. Pour ces Ghostbusters... Ah ouais, Ghostbusters, carrément, ok. Malgré l'expérience personnelle de Tom Davis, survenue des années plus tôt, la nature des phénomènes rapportés à la Dean House reste indéterminée. 90 à 95% du temps, nous avons affaire avec... Et puis c'est là que je lui ai dit, le bâton, abruti. Et j'ai jeté le bâton, et puis je voulais sortir ma jib du ravin. Quelque chose qu'on peut expliquer. Et je suis mort. Mais pour l'autre 5 à 10%, je me gratte la tête. Parce que je n'arrive pas à trouver... Il le fait littéralement en plus, donc ça veut dire que... une explication. Encore aujourd'hui, la Dean House captive les médiums qui tentent de... Ah, ce couple-là, ils sont merveilleux. Hey, salut! Communiquer avec les esprits, les jeunes... Elle a donc fait là. Oh, passionnée par le macabre, tout autant que les simples amateurs de soirées meurtres et mystères. Depuis le décès de la jeune épouse du capitaine Richard Burton Dean, de nombreuses personnes racontent de la merde sur cet endroit. Est-ce que ça veut dire que la place est hantée? Possiblement. Oh, oula, oula, oula. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de mystères. Je suis désolé, ça m'arrive jamais en général, mais... D'énigmes, de phénomènes étranges et inexpliqués. Confrontée au phénomène des hantises, la science n'a aucune explication à fournir. Comment la science pourrait-elle documenter et confirmer l'existence de spectres qui, par définition, sont immatériels? Salut, c'est le Capitaine Iglo. Ok, ah, on n'a pas eu d'explication. Mince, on va rester sur nos connaissances, notre suspension d'incrédulité. Vraie question, Seb, du coup, tu crois aux fantômes? J'ai une relation bizarre, c'est... De manière rationnelle, je n'y crois pas, mais j'en ai peur malgré tout. C'est très étrange, hein. Comme le réchauffement climatique.